Salut à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi ça va bien. Ça sera deux vidéos dans une vidéo. Je sais, c'est pas logique à expliquer comme ça, mais vous allez très vite comprendre. Il y a des personnes qui ont dit dans les commentaires qu'ils en avaient marre que je fasse des partenariats, etc. et que j'accepte les partenariats. Sauf que ça ne sert à rien de me dire ça parce que je continuerai toujours. C'est pas vous qui décidez, c'est moi. Moi ça me fait plaisir de vous présenter des produits d'autres boutiques que les boutiques m'envoient. Et bien aujourd'hui, je vais vous présenter deux produits que l'on m'a envoyé. Le premier produit vient de la boutique Overwatch. Ils m'ont envoyé un pull Overwatch DVA, Diva, DVA, comme vous voulez. Donc là, il y a Play to Win. De base, il coûte 44€, il me semble. Donc ici, il y a aussi marqué quelque chose. Ici, vous avez le logo. Ici, vous avez des poches. Voilà, des grandes poches. Voilà. Derrière, vous avez un signe avec les oreilles. Enfin, je trouve pas l'autre. Voilà, ici. Donc la capuche est très grande parce que j'ai voulu prendre la veste un peu plus grande que ma taille parce que c'est juste par goût, parce que j'aime bien prendre les choses plus grandes. Et donc voilà. Donc je remercie beaucoup la boutique Overwatch de m'avoir envoyé ce magnifique pull. Je l'adore, je le mets tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il est trop beau, moi j'adore, il est super chaud. Donc pour ceci c'est terminé, voilà, je remercie énormément cette boutique. Je vous mets le lien en barre d'infos pour que vous puissiez checker la boutique. Donc ensuite nous allons passer à une deuxième boutique. Et ça, quand je vais vous dire le nom, vous allez vous rappeler ce que c'est. Et bien tout simplement c'est JDG Box qui m'a renvoyé une box. Donc j'en avais déjà parlé dans la JDG, je ne sais plus. Ouais, c'était une ancienne box qui m'avait envoyé. Je commence à la tester et ensuite il m'envoyait l'autre box. Donc c'était une box en édition limitée. Donc c'était la box JDG Box Unicorn Edition. Donc c'était la box des licornes. Je les remercie énormément de me l'avoir envoyé parce que c'est quand même une box, c'était en édition limitée, donc bon, ils n'étaient pas obligés d'accepter. Donc je trouve ça cool, c'est eux qui m'ont proposé, c'est eux qui m'ont dit par rapport à ma chaîne, il aurait mieux fallu une box qui aille avec ma chaîne. Donc ils ont dit que la unicorn était très bien pour ma chaîne. N'hésitez pas à checker le site comme je vous l'ai dit dans la première vidéo de JDG Box. On va l'ouvrir tout de suite. Alors vous allez me dire tout d'abord que j'ai changé d'espace. Oui, j'avais trop la... En fait j'avais pas envie de filmer vers mon fond et j'avais envie de filmer dans mon lit. Donc bon bah voilà, j'ai pris mon lit. Donc c'est parti. Alors le premier aperçu de cette boîte, oui elle est rouge. C'est la première fois qu'on m'envoie une boîte rouge. Et voilà la petite box. Donc... quand on ouvre, qu'est-ce qu'on trouve? J'ai essayé de pas tout faire tomber. J'ai des scotchés, hein, je préfère autant vous préciser. Voilà. On retrouve ceci. Alors, premier objet, c'est une boîte avec des licornes dessus. Donc, on a plein de petites licornes dessus. Donc, voici la tasse. Voilà. Alors, tout comme dit, baume à lèvres, sucrerie. Donc nous avons un baume à lèvres, licorne. Oh, what? Oh, ça sent la barbe à papa, mais tellement... Oh, j'ai envie de la manger la licorne, c'est du plastique, calmons-nous. Donc voilà, cette petite licorne. Et voilà, donc quand on ouvre, oh, c'est une tuerie. On remarque ceci, donc c'est un baume à lèvres, donc oui, je l'utiliserai bien volontiers, mais pas tout, hein, parce que voilà. Donc il est rose avec des petits trucs blancs. Oh là là. Ok, ok. Donc c'est un porte-clés licorne. Donc voilà, le petit porte-clés licorne. J'en avais déjà eu un dans une box kawaii, mais qui date. Oula, oula. Par exemple, c'est pour étiqueter vos bagages ou quelque chose, ou une carte. Ou mettre une carte dedans, tout simplement. Donc voilà. Au début, je croyais que c'était une pochette de téléphone, une connerie comme ça. En fait, non. Alors, je vois une licorne blanche dessus. Donc là, on est vraiment au pays des licornes. Hein. Que des trucs de licornes. J'ai jamais vu autant de licornes en une vidéo. Donc, on ouvre. Et là, qu'est-ce qu'on y trouve? Oh, qu'est-ce que c'est? C'est une licorne. Une licorne toute blanche. Et en dessous, on voit qu'il y a un petit bouton. Et voilà. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Mais elle change de couleur. Voilà. Là, elle est verte. Et attendez, elle va passer au bleu et au violet. Ah, c'est génial! Fufu! Qu'est-ce que c'est? Oh, voilà. Avec la petite étiquette ici. Mais les étiquettes, moi, je les enlève jamais. Mais en plus, il y a un code barre dessus.
Donc voilà, donc très joli porte-monnaie. À l'intérieur, c'est comme ça. Et ouais, il est génial, j'adore. Mais je pourrais mettre autre chose que des pièces. Je pourrais mettre des bijoux dedans, ça serait plus sympa. Alors ça, j'en ai eu dans une box kawaii. Donc en fait, c'est des limes à ongles. Alors moi qui n'ai pas du tout d'ongles et qui a horreur d'avoir des ongles. Oui, parce que j'aime pas du tout avoir des ongles, ça me déstabilise totalement. Voilà, donc le packaging est trop mignon. Et quand on ouvre, hop, on retrouve des petites limes à ongles avec des étoiles, etc. Donc ça, je trouve ça kawaii. Mais je les garderai juste, voilà, en souvenir. Ok, alors là, on a plein de petits papiers. Donc des petits papiers JDG. Oh, attends. Ok, d'accord. Alors, je viens de faire la découverte que ceux-ci, ce sont des autocollants de JDG, Unicorn, Edition, etc. Donc on en a deux. Ça, je trouve ça cool, je vais décorer ma chambre avec ça. Alors, je vais juste couper la licorne. Donc voilà ça, et on a une grande carte de JDG Box Unicorn Edition. My Little Pony. Ah, My Little Pony. Alors oui, c'est mignon, hein. Y a pas de problème, ça c'est trop cute, mais My Little Pony... Voilà quoi, je suis pas My Little Pony. Mais bon, on va l'ouvrir quand même, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, je crois qu'il y a des figurines parce que c'est les trucs d'enfants là. Par contre, je sais comment on dit. On va pas comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un petit papier, donc on s'en fout. Et on a une carte avec tous les petits poneys. Et on a eu celui-ci. Oh, il est trop beau! Ah, il est trop beau! Ah, il est fort, lui! Regardez-moi ça! Si vous savez le nom de ce poney, hein, moi je sais pas du tout, je regarde pas My Little Pony, donc bon, voilà. Oh my god! Carnet! Imitation fourrure. Waouh, alors là je suis trop contente, il est trop beau. C'est un carnet de notes pour faire autre chose aussi, tu peux dessiner je pense. Licorne, mais il est trop doux, il est trop beau avec la petite corne comme ça en plastique. Il est genre trop beau, vous voyez. Donc voilà, on a des lignes, c'est que des lignes, c'est quoi? Ah non, d'accord, il y a des feuilles blanches quand même. Ah non, on a que... Ah ok, ah c'est pour écrire en fait. Je crois que c'est mon truc préféré dans la box avec la licorne qui fait de la lumière et la tasse. Parce que ouais, c'est des trucs c'est des trucs utiles. La lampe, la tasse et le carnet. Et bien voilà, j'en ai maintenant terminé avec la JDG Box et donc mon pull Overwatch. Donc j'espère que ces articles vous auront plu et n'hésitez pas à aller voir les deux boutiques. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à faire ce que vous voulez. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous!